Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre tutoriel sur le blogging, comment réussir dans le blogging en 2023. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous expliquer comment générer plus de 1000 euros avec votre blog sur Internet. Si vous comptez vous lancer dans le blogging ou si vous avez un blog, alors cette vidéo est faite pour vous regarder jusqu'à la fin. Bienvenue également sur ma chaîne. Si vous êtes nouvellement arrivé sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, c'est parti. La seule chose que vous devez retenir une fois que vous auriez suivi cette vidéo, c'est que le contenu est roi. Donc, la seule chose qu'il vous faut, c'est le contenu. Donc, la réussite d'un blog, c'est simplement publier des contenus, publier tous les temps, peu importe comment votre blog soit. Donc, l'erreur que les débutants font dans le blogging, c'est prendre énormément de temps pour designer, par exemple, customiser ou par exemple prendre un service pour créer des logos, faire beaucoup de recherches, par exemple, au niveau de la police, de la couleur et de l'écriture et de tout et tout. Donc cela, c'est une perte de temps énorme. La première des choses pour réussir dans le blogging, une fois que vous avez installé, si c'est un blog WordPress ou un blog Joomla ou Wix et autres, c'est que chaque jour vous devez publier du contenu. Donc les moteurs de recherche aiment la régularité et être constant. Donc vous devez continuellement publier. Et le problème qui se pose généralement, c'est que on est à manque d'idées ou par exemple on manque d'inspiration, des sujets d'écriture et écrit également avec une régularité, c'est énormément compliqué. Donc d'où nous allons solutionner ce problème dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment avec une intelligence artificielle vous allez être en mesure de pouvoir générer des articles de plus de 2000 mots et de façon optimisée. Donc optimisée, je veux dire le SEO on page, donc bien référencé ou des mots-clés articulés pour les moteurs de recherche. En fait, ce que Google aime, sans toutefois oublier l'expérience utilisateur, donc à ne pas saturer son contenu simplement avec des mots-clés. Ok, donc c'est parti. Comme nous avons parlé de contenu, si nous nous rendons par exemple sur la plateforme 5euros.com à présent, si vous regardez cette vidéo, jusqu'au 25 octobre 2022, donc avant le 24 octobre, la plateforme c'est 5euros.com, mais après je ne sais pas en quel moment vous allez regarder ceci, ça doit être certainement comop, donc .com. Donc la startup française 5 euros a eu à changer de nom. Ok, si nous nous rendons par exemple sur Comop ou 5 euros et que nous tapons par exemple rédaction d'article, vous allez par exemple vous en rendre compte ici que en fait la proposition des articles SEO pour booster votre blog ou mieux vous positionner sur les moteurs de recherche. Par exemple, nous avons cette demoiselle Sarah qui nous propose ses services à partir de 20 euros, ce qui est vraiment coûteux. Si vous décidez par exemple de prendre l'option qui est celui de payer un rédacteur web pour écrire vos articles, donc 20 euros, à partir de 20 euros, certainement les textes vont être à partir 1000 mots et contrairement à ce que les moteurs de recherche aiment, donc un bon contenu de blog doit être au minimum de 1500 mots, donc envoisiné à 2000 mots en montant. Ok, c'est bon. Par exemple, nous avons ici un autre, donc Team SEO, qui nous propose ce service à partir de 45 euros. Nous avons par exemple 500 mots à 600. Ça, c'était les années 2000. Donc, si vous écrivez des articles à 500, 600 mots, ça serait très compliqué de vous positionner sur les moteurs de recherche. La première option, de payer un service de rédacteur web pour écrire vos articles. Et si vous avez un budget colossal, alors vous pouvez vous en sortir. Mais contrairement, ça va être un peu compliqué. Donc, la première option, donc, ce que nous pouvons dire, ce que je peux dire, c'est que elle n'est pas ma préférée ou l'idéal. La seconde option serait d'écrire vos propres articles et
Lorsqu'il s'agit d'écrire ses propres articles, ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie et demande également beaucoup de connaissances. Donc, la deuxième option, c'est d'écrire vos propres articles par vous-même. Et la troisième, en 2022, 2020, 2023, 2025. Donc, aujourd'hui, nous avons les intelligences artificielles qui peuvent vous assister dans la création, dans la rédaction de vos articles de blog. Et aujourd'hui, il en existe tant d'intelligences artificielles sur le marché. Et je vais m'hasarder simplement à vous présenter Autoblogging, c'est une intelligence artificielle qui va vous écrire des articles de blog très rapidement. Alors, comment cela se passe? Simplement, vous trouvez votre mot-clé, le mot-clé de l'article souhaité générer, vous soumettez cela à l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle s'en charge d'écrire votre texte pour vous. Donc, si nous parcourons par exemple la page de présentation du site, vous pouvez vous en rendre compte que nous avons ici, cela nous présente comment l'intelligence artificielle du site fonctionne. Donc, une petite page de présentation, ce que vous avez premièrement à, c'est de choisir un plan, accéder à l'application et c'est tout. Ok. Donc, pour les prix, par exemple, vous pouvez vous en rendre compte que pour 19 dollars par mois, vous pouvez générer 20 articles de blog, ce qui est largement suffisant. Donc, ce qui est largement suffisant si vous débutez dans le blogging et même les professionnels, nombreux n'arrivent pas à écrire plus de 20 articles par mois. Donc, ce qui est largement suffisant si vous publiez avec des mots-clés de longue traîne, vous allez vous positionner très facilement sur les moteurs de recherche et comme cela, votre trafic va augmenter. Et parlant de trafic, donc, si vous souhaitez acquérir du trafic qualifié pour votre blog ou pour vos offres sur Internet, alors vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger mon e-book, où je vous explique comment acquérir du trafic organique, que ce soit trafic organique ou payant, du trafic vraiment qui convertit, contrairement à d'autres trafics dont vous allez trouver sur Internet, vous aurez des visiteurs mais pas de ventes. Donc dans cet e-book, je vous explique comment avoir du trafic vraiment concret, du trafic qui va booster, développer votre site, votre blog, rediriger des visiteurs sur vos liens affiliés. Donc, ici, nous avons pour 19 dollars, nous pouvons générer plus de 20 articles de blog. OK, c'est simplement pour la présentation. Donc, la version gratuite, vous aurez simplement accès à quelques outils. Donc, une fois que nous serions connectés, je vais vous montrer comment cela se passe. Et si nous avons la version free trial, la version d'essai, qui est d'un dollar, qui peut vous permettre de générer 5 articles de blog et cela n'expire pas. OK. Donc, pour vous présenter l'application et comment cela fonctionne, j'ai eu à prendre dans le free trial d'un dollar pour vous montrer comment cela se passe. OK. Une fois que vous êtes connecté au back office, vous allez avoir ceci. Vous avez l'option ici de Quick Mode. C'est l'option pour écrire des articles de blog très rapidement sans toutefois perdre de temps. Vous avez Pro Mode. C'est l'option pour vraiment fournir des informations vraiment concrètes à l'intelligence artificielle pour écrire de façon vraiment sage, intelligente, comme vous voulez et non de façon générique. Vous avez avec cette option, par exemple, Amazon Review. Vous pouvez, par exemple, simplement, si vous faites de l'affiliation Amazon, c'est une bonne option. Il vous suffit simplement d'aller sur amazon.fr ou .com, récupérer le lien d'un produit et venir soumettre ici. Et l'intelligence artificielle s'en chargera d'écrire un article de révision pour votre produit. Ceci est l'idéal. Vous pouvez vous faire plus de 2000, 5000 euros par mois avec Amazon affilié, en écrivant des produits de révision pour Amazon. Ça, c'est une niche que vous pouvez vous positionner.
là-dessus ou sur Amazon, vous pouvez trouver un produit, une sous-niche et créer un blog de révision dessus. Simplement que vous n'auriez pas à écrire des articles de révision. L'intelligence artificielle s'en chargera d'écrire pour vous. Et ici, il est mentionné que cela fonctionne pour Amazon.com, Amazon United Kingdom. Nous avons Amazon CA du Canada, India, FR. Donc, ça va dépendre. Si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse et tant d'autres. Ok, donc avec cette option, il vous faudra simplement insérer le lien d'un produit Amazon et l'intelligence artificielle prendra 1 à 2 minutes pour écrire un texte de vente. Donc je dirais un texte de vente parce qu'un article de révision, c'est un texte de vente. Ok, donc ici nous avons Free Tool. Si vous inscrivez simplement gratuitement pour tester la plateforme, je laisserai le lien dans la description de la vidéo. Donc, vous avez Talk Generator, vous pouvez simplement écrire. Bon, nous avons par exemple, tu dis écrit un article de blog. Ok, Talk Generator, vous cliquez simplement sur Talk Generator. Ah, oh, bon, ici, je ne vous recommande pas cette option parce que. Elle fonctionne uniquement en anglais, mais ne vous inquiétez pas pour les articles de blog. Il y a la version française, nous y arriverons. Donc, Meta Description Generator, c'est en anglais également. Je ne vous recommande pas d'utiliser cela. Ok, si nous allons sur Quick AI Writer. Ok, je vous présente. Ici, nous avons Bull Generator. Donc, c'est une façon de générer des articles en masse. Donc, par exemple, présentement. Si je pars au niveau de mon compte, mon historique, vous pouvez vous en rendre compte que j'ai eu à générer un article et qu'il me reste 4 clés. Donc 4 clés en fait, je peux encore générer jusqu'à 4 articles de blog. Subscribe, donc je peux choisir un plan qui commence à 19$ et générer plus de générer 20 articles de blog. Donc par exemple, vous pouvez vous en rendre compte mon historique ici. Bon, faire de l'affiliation de logiciels. C'était pour tester. Et cela a vraiment fonctionné. C'est pour ce fait, je partage avec vous cette astuce. Ce logiciel ou ce script, cette intelligence artificielle dans cette vidéo. Ok. Donc, ici sur Bull Generator, si nous cliquons par exemple là-dessus, il nous faudra simplement ici, donc entrer des mots-clés de nos articles suivis des virgules. Donc, et par chaque virgule, c'est un article de bloc. Donc, vous pouvez générer, par exemple, si vous avez 5 redits, vous pouvez entrer 5 mots-clés par virgule et l'intelligence artificielle s'en chargera de générer 5 articles de blog pour vous. OK. Donc, vous pouvez spécifier le projet, vous pouvez choisir la langue. Donc, ici, pour l'instant, il y a English, Spanish, l'espagnol, le français et l'italien disponibles. Donc, pour le générateur, nous n'allons pas choisir cela. Je ne vais pas choisir pour cette démonstration. Ici, nous avons le mot de Quick Generator. Donc, ici, il nous faut simplement entrer le titre de l'article ou un mot-clé. Je vous recommanderais de prendre un mot-clé de longue traîne, donc pour vraiment positionner sur les moteurs de recherche très facilement. OK. Donc, pour cela, j'ai eu à faire quelques petites recherches. Et bon, sur Google, avec ce mot-clé de longue traîne, réussi dans le blogging en 2023, je me rends compte que la concurrence est vraiment faible. Donc, je peux me positionner sur cela très rapidement avec mon blog growthbusiness.com. Donc, je peux me positionner sur le mot-clé, cette longue traîne de réussi dans le blogging en 2023 très facilement parce que ici, j'ai... OK. J'ai bon des résultats de recherche environ de 108 000, donc je peux me positionner très facilement là-dessus avec mon blog growthbusiness.com. Ok, donc si je retourne ici, je vais simplement récupérer mon mot-clé de longue traîne et je vais soumettre à l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle s'en charge d'écrire un article pour moi sur comment réussir dans le blogging en 2023. Donc, vous pouvez ajouter comment réussir dans le blogging en 2023. Je choisis la langue ici, je vais choisir French et je vais cliquer sur générer article. OK, générer article. Et ici, bon. Vous vous en rendez compte que ça tourne un peu, ça tourne.
Ok, donc je vais mettre pause à la vidéo et le temps que l'intelligence artificielle écrive notre article, on se reprend dans quelques secondes. Voilà qui est fait, qu'il ne nous a même pas pris une minute pour pouvoir générer cet article. Donc vous pouvez voir ici, nous avons le titre de l'article, comment réussir dans le blogging en 2023. Donc, je peux simplement cliquer ici pour télécharger mon article. Vous pouvez voir que ça m'a fait une intro et un peu de texte ici. Choisir votre niche. Bon, identifier votre audience, détailler, créer un contenu de qualité. Bon, détailler, promouvoir votre blog. Détailler, bon, interagir avec votre audience, du contenu, monétiser votre blog. Bon, analyser vos résultats. Bon, continuer à apprendre. OK. Donc, vous pouvez vous en rendre compte que là, maintenant, je peux simplement cliquer et télécharger mon article. Donc, c'est aussi simple que cela. Une fois que vous avez téléchargé votre article, si je clique sur télécharger, OK. Ok, voilà que mon article est téléchargé. Ok, je vais mettre cela sur mon bureau. Et hop, ok. Donc là maintenant, j'ai mon texte que je peux ouvrir simplement là. Copier ce contenu. Je peux vendre par exemple sur Fiverr, sur 5 euros. Ou simplement publier cela sur mon blog. Et commencer à avoir du trafic organique comme cela très facilement. Donc c'était tout, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, alors je vous prie, lâchez-moi un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ok, on se donne rendez-vous dans les prochains tutoriels. Merci.